Gérard Toussaint pour présenter très très rapidement Citoyenneté Active, et puis après on passe tout de suite au programme. Oui, je vais pas présenter longuement puisque vous avez des panneaux, on aura l'occasion, il y a des dépliants, et surtout il y a le site de Citoyenneté Active Lorraine que vous pouvez consulter, sur lequel il y a énormément d'informations, à la fois sur notre association, ce qu'elle fait. Je ne vais pas trop parler parce que je n'ai rien fait dans la préparation de cette journée. Il y a une équipe qui l'a faite. On est nombreux à Citoyenneté Active et on est tous sur différentes actions. Simplement pour dire que quand l'association s'est créée, c'était après, vous le savez, des attentats, des situations difficiles, qui posaient la question de quelles sont aujourd'hui les valeurs de la République, qu'est-ce qu'on a à défendre sur le vivre ensemble. Et la manière dont on essaye de travailler, c'est qu'on n'a pas forcément toutes les réponses. Vous avez là-bas vivre ensemble, rassembler, partager, apprendre, comprendre, agir. Pour nous, ce qui est important, c'est d'écouter, d'essayer de comprendre et naturellement d'agir. Et une journée comme celle-là, ce qui est intéressant, c'est que posons-nous la question de la transmission, en se disant, puisque l'association s'est construite au départ avec des personnes retraitées, il n'y a pas que des retraités dans l'association, mais essentiellement, qui ont travaillé dans le domaine de l'éducation, du travail social, enfin, pour essayer de transmettre qu'est-ce qu'on n'a pas su, qu'est-ce qu'on n'a pas pu transmettre pour qu'une partie de la jeunesse ne soit pas dans ces valeurs ou de vivre ensemble. Et en même temps, si on parle de transmission, et je parlais d'écoute, c'est important aussi qu'on entende. Donc une journée comme celle-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse aussi vous écouter. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est cet aller-retour, hein, et notamment sur les questions d'information, de circulation d'information, des outils qu'on utilise, des médias qu'on utilise sur l'information, c'est bien qu'on puisse aussi vous écouter. Voilà. Merci, Gérard.